Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien, disons que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, petit moment, ça fait quoi? Ça fait 3 jours, 4 jours. Ben, comme vous le savez, nous sommes en confinement du coronavirus. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Alors j'étais tellement motivé de vous faire partager l'Académie Zéro Limite, tous ces programmes, de reprendre un peu tout ça. Mais aujourd'hui, il va falloir mettre ça un petit peu de côté. Là aujourd'hui, c'est du confinement pendant une quinzaine de jours pour commencer. C'est bien parce que ça va permettre de pouvoir restructurer des choses, d'organiser plein de choses. Il y a des désavantages et il y a des avantages. Moi, je vais essayer d'en tirer que du positif. Alors, pour la petite anecdote, en fait, j'avais prévu de vous faire une vidéo samedi. Mais je suis tombé un petit peu malade, j'ai eu tous les symptômes d'une grippe, j'ai quand même appelé le SAMU pour savoir, donc on ne m'a pas diagnostiqué de coronavirus, alors peut-être que j'ai le coronavirus, donc j'ai maintenu le fait de n'avoir aucun contact, enfin le minimum de contact avec les gens, toujours me désinfecter les mains et tout ça pour éviter de contaminer les gens, si c'était le cas. Donc aujourd'hui je suis confiné avec ma compagne, on a fait aujourd'hui l'état des lieux de mon appartement, alors sans mon propriétaire, ça a été exceptionnel. Donc il a fallu qu'on descende avant le confinement total à midi pour tout ranger, tout nettoyer, ça a été une période assez stressante. Dimanche aussi, période assez stressante puisqu'il a fallu tout déménager, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, donc aujourd'hui j'ai eu pas mal de difficultés à faire cette vidéo et je me suis dit je vais vous faire cette vidéo, donc j'espère pouvoir la diffuser en ligne parce que j'ai pas une très grosse connexion non plus, mais voilà, ça va être du one shot, ça va être un petit peu de la livraison d'expérience. Tout ça pour vous dire que j'aimerais pendant cette quinzaine de jours vous mettre en des vidéos positive, essayer de vous positiver, peut-être reprendre un peu le livre La Magie pour justement vous le partager en vidéo, parce qu'il va falloir se reconstruire dans tous les cas. Alors moi j'ai pas une grosse perte d'activité puisque j'avais pas de grosses activités prochaines, moi ça sera plus courant de l'été et encore j'avais plein d'autres choses à faire à côté, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui il va falloir se serrer les coudes et se dire que ben, ça fait partie de la vie, il y aura un après pandémie, après virus, après cette expérience de confinement. Et c'est là où justement il va falloir tous se booster et être vraiment le plus positif possible. Et je vais essayer de faire ça pour vous, d'essayer de vous positiver, déjà de me positiver moi, essayer de vous positiver un maximum. Donc là aujourd'hui je suis officiellement Limougeau, je me suis donc installé chez ma copine. Donc là on est un peu en bazar parce qu'effectivement je vais amener toutes mes affaires ici, donc ça a été très compliqué. Mais petit à petit ça va se mettre en place. Et puis voilà, donc est-ce que je vais continuer l'Académie Zéro Limite? Bah alors aujourd'hui, vu que je suis très fatigué, je dirais pas pour le moment. Pour le moment, je vais essayer de me concentrer un peu sur moi, prendre un peu de temps, me reposer, essayer de reprendre un peu, voilà, d'essayer de me remotiver à bosser, parce que ça a été très difficile, ça fait 3-4 jours, voilà, comme je vous dis, des courbatures, un peu fatigué et tout ça, mais voilà, je garde la pêche, et le but, ça va être de s'en sortir, donc de repartir sur des choses positives. Donc j'espère vous faire des vidéos comme ça. Voilà, donc je parle pas trop fort parce que madame est à côté en train d'écouter sa télé, ses séries, donc j'ai pas envie de la déranger. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous faire de gros bisous. Restez vraiment positif parce que c'est ce qui va faire que on va aller de l'avant de tous ces soucis qui nous sont arrivés. Comme dirait François Lemay, à chaque fois il y a des périodes de contraction et des périodes d'expansion. Là on est plus dans une période de contraction pour nous faire comprendre plein de choses peut-être sur nous. Sachez juste une chose, que on entend souvent dans des grands philosophes, c'est on pourra leur enlever leur liberté, on pourra les confiner, on pourra les emprisonner, on pourra les torturer ou autre. On leur enlèvera pas leur façon de penser, voilà, tout ça. Donc c'était juste ce petit mot que je voulais vous adresser en vidéo qui a été un petit peu long, je m'en excuse. En tout cas, restez positifs, soyez bi-positifs. Et moi je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. Une vidéo, bah, je pense qu'on va reprendre les vidéos, ouais, pendant ces 15 jours. Peut-être des petites capsules comme ça pour vous booster, vous motiver. Des petites techniques de gratitude, des petites techniques de méditation, de cohérence cardiaque, des choses comme ça, voilà, sur cette chaîne. Donc pensez à vous abonner. De toute façon, il n'y a que ça à faire maintenant. Voilà, donc je vous dis à très vite les amis. Et merci de me suivre.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire voilà, de ce que vous allez faire pendant cette période. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Bye!